à tous et à toutes, très contente de vous retrouver à nouveau. Et de suite, nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel. On y va? À partir d'un t-shirt que vous voulez customiser, qu'importe, avec manches ou sans manches, le principe sera le même. La première chose à faire, c'est de votre poitrine vers le bas, 8 cm. Déterminez avec des épingles tout autour et coupez. Mettre de côté en attendant. Mesurez le tour de votre poitrine et vous rajoutez 40 cm. Cette mesure, la divisez en deux. Vous allez couper votre tissu, donc la moitié de la mesure. La moitié de cette mesure, ça vous donnera un panneau. Un panneau pour le devant et un panneau pour derrière. Quant à la longueur, à vous de la déterminer. Si vous la voulez courte ou longue. Coupez deux fois, suivant votre largeur et suivant le choix de votre longueur. Deux fois, qui fera un devant et un dos. Sur la longueur, vous allez devoir ou passer un point de zigzag ou surfiler. Et vous allez faire ça sur les quatre côtés. Passons au montage. Un panneau avec le devant et le deuxième avec le dos. Pliez en deux, déterminez le milieu. Faites la même chose avec votre t-shirt. Pliez en deux et déterminez le milieu. Mettre endroit sur endroit. Milieu panneau sur milieu t-shirt. Épingler. Épingler jusqu'à l'arrivée de la couture en laissant dépasser 1 cm. Ça, c'est important. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Vous allez vous retrouver ainsi avec ce panneau que vous allez devoir poser sur le t-shirt. Et là, vous allez venir et former des petits plis. Des petits plis de 2 cm. Commencez ainsi du milieu jusqu'au côté. 1. La quantité du pli, la reporter de l'autre côté. 2. Le sens du pli que vous avez donné là, vous allez bien sûr donner dans le sens contraire pour l'autre côté. Faites bien attention à ça. Les plis d'un côté qui partent dans ce sens et dans le sens contraire pour l'autre milieu. J'espère que c'est clair. Piquez en faisant attention de ne pas prendre ce 1 cm. Il n'y a que les plis que vous allez tenir avec les épingles. Et le milieu du t-shirt avec le milieu du panneau. Pourquoi? Ça, c'est élastique et ça, bien sûr, ça ne l'est pas. Il faut garder l'élasticité. C'est pour ça qu'on n'épingle pas le tout ensemble. Laissez poser le t-shirt d'une façon naturelle. Au contraire, ne pas retenir, mais laisser un peu se détendre et piquer. Surtout, ne faites pas ça, le contraire, comme ça. Pas du tout. Laissez au contraire se détendre celui-ci et ramener le tissu par-dessus. On garde toujours l'épingle du milieu. C'est ce qui permet d'avoir le milieu du t-shirt avec le milieu du tissu. Et vous continuez ainsi jusqu'à l'extrémité. Surtout, arrêtez-vous bien 1 cm avant. Ne prenez pas le centimètre du tissu. Épinglez et assemblez les coutures de côté. La valeur de couture, 1 cm. Et voilà, on démarre avec le 1 cm que nous avions laissé au départ. Faites l'orlet du bas, 1 cm sur 1 cm et piquez. Passez un point de zigzag tout autour de la taille ou surfilez. Suivant le reste de votre tissu, coupez une bande large et très longue. Pour ma part, elle fait 24 cm de large sur 2 mètres de long.
plier endroit sur endroit, épingler, couper, biseauter le début et fin de chaque bande. Piquer 1 cm tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir la retourner. Retournez sur l'endroit. Ressortez bien les pointes pour une belle finition. Surpiquez tout autour et par la même occasion, fermez l'ouverture. Un bon repassage sera nécessaire pour la ceinture, ainsi pour la robe au niveau de la couture de côté et au niveau de l'ourlet. Pliez votre ceinture en deux, épinglez le milieu, posez la ceinture à cheval entre la jupe et le haut. Épinglez et piquez cette partie. Piquer sur le côté, c'est la meilleure façon de ne jamais perdre sa ceinture et la porter nouée sur le côté ou sur le dos. Voilà, c'est la fin déjà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!